Hello mes sweeties, bienvenue pour une nouvelle vidéo test et cette fois-ci le test d'une marque anglaise qui s'appelle Curlflow. Donc là je viens de vous montrer le shampoing, The Lemon Grass Shampoo. Nous avons ensuite le Deep Conditioner, donc du coup à la fois soin et après shampoing. Nous avons le Leave-In de la marque. Oui, il y a une longue liste. Nous avons aussi le beurre. Et en dernier, nous aurons l'huile scellante. Donc là, je viens de faire le shampoing et franchement, le shampoing, c'est épatant. Mes cheveux étaient doux, soft. Je n'ai pas eu le côté desséchant, donc j'ai kiffé. Donc là, maintenant, je vais passer au Deep Conditioner qui est très épais, comme vous pouvez le voir. Il est vraiment, vraiment très épais, mais bon, à voir ce que ça pourra donner à mes cheveux. Donc, bien sûr, comme d'habitude, on applique section par section les produits. Et c'est vrai que quand on voit le Deep Conditioner, c'est pas mal. Par contre, c'est une odeur un petit peu de bonbon. Ouais, c'est une espèce d'odeur de bonbon. J'avais du mal au début à trouver l'odeur, mais c'est une odeur de bonbon. On laisse reposer. Et maintenant, le résultat, les cheveux donc rincés. Donc, j'ai trouvé que c'était pas mal, mais bon, pas transcendant. Là, maintenant, je vais tester le Leave-In. Le leave-in. Donc, une texture un peu comme une crème, mais voilà, c'est crémeux, mais c'est pas trop compact et j'aime bien l'odeur. Donc, on va tester et j'avoue, je suis hyper impressionnée. Non, mais je retire la serviette pour qu'on puisse bien voir. Regardez comment j'ai perdu v'là des frisottiers, comment j'ai des boucles pour un leave-in. C'est épatant. Moi, les leave-in, ils me donnent pas des boucles comme ça. Hein. Les leave-in, ils me donnent pas un truc comme ça. Hein. Donc là, je vais passer avec la méthode LOC, donc du coup, Leave-In Oil. Donc là, je mets l'huile scellante. Comme j'ai un cheveu qui a tendance à être poreux, l'huile sent très bon d'ailleurs. Et ensuite, le beurre. Donc du coup, le butter cream, comme ils aiment dire, qui est un petit peu plus compact que le Leave-In, qui sent également très bon aussi. L'odeur est agréable. Et je l'utilise pour essayer de voir si je peux peut-être retirer les dernières frisottis. Donc, toujours ma petite méthode de finger curling. C'est ce qui fonctionne le mieux. Et au moins, je suis sûre que ma boucle, elle est bien construite. Et je trouve que le résultat est pas mal. Bon, beaucoup de shrinkage, mais ça prouve que ma boucle, elle est bien faite. Là, le résultat sur toute ma tête. On adore. Alors, comment j'ai découvert cette gamme? Parce que je la connaissais pas du tout de base. J'ai pris le mauvais produit. Comment j'ai découvert en fait la gamme Curlflow? C'est parce que de base, avant même de créer ma page Instagram My Sweet Frisette, j'étais abonnée à une box. Enfin, c'est une entreprise qui a créé en fait une box capillaire qui s'appelle Fibrani, que je vous recommande parce que franchement, c'est cool. C'est une société qui propose une box capillaire. Vous payez un abonnement de 36 €, quelque chose comme ça, 36 ou 38 €. Et chaque mois, vous recevez une box de produits capillaires. Sachant que vous ne savez pas qu'est-ce que vous recevez. C'est une surprise chaque mois. Donc, c'est vraiment pas mal. Surtout que c'est un coût en termes d'économie parce qu'il y a quand même 4 à 5 produits par box. Et on paye 36 €. Quoi. Enfin, moi, c'est pas cher. Sachant que, comme vous le savez, moi, j'ai une dépendance aux produits capillaires. J'en dépense comme never. Je crois que toute ma paye passe dans ça. Bref, on va pas aller plus dans les détails. La dernière box que j'ai reçue, c'est la marque Curlflow. Que j'ai découvert, je ne connaissais pas. Donc, c'est une marque anglaise, je crois, parce que j'ai vu que le site, c'est www.curlflow.co.uk. Voilà. Donc, voilà. C'est une gamme que j'ai découverte, donc, qui est faite pour les cheveux, pour tous les types de cheveux bouclés, donc, for all curl types. Donc, après, encore une fois, vous savez, ils aiment beaucoup dire tout type de curls, tout type de boucles, mais ils comprennent pas que le cheveu crépu, c'est pas forcément pareil que le cheveu bouclé, ondulé, frisé. Le cheveu crépu demande vraiment une définition extrême pour vraiment bien dessiner, maintenir la boucle. Mais bon, on va pas aller plus dans le sujet. Donc, moi, j'ai testé. Il y avait le shampoing. Il y avait le deep conditioner. Donc, du coup, il fait office d'après-shampoing et de masque. Il y avait également... Ouais, il y avait également le leave-in, il y avait la crème, the curly butter cream, et en dernier, l'huile scellante. Alors, les gars,
Alors déjà, le shampoing top, hein, c'est un shampoing qui en plus, il est au thé vert et organic lemongrass. Il me semble que lemongrass veut dire citronnelle, mais j'ai un doute. Il faudrait que je retrouve à nouveau dans la Google Traduction. Mais en tout cas, j'ai kiffé. Mon cheveu, quand j'ai rincé, était extrêmement doux. Je n'ai pas eu l'effet sec au niveau de mes cheveux. Bon, après, j'avais fait mon prépo habituel. Je ne sais pas si ça a fait en sorte que... Mais ça moussait bien et je n'ai pas eu un effet dégueulasse. Moi, j'ai kiffé. Ensuite, je suis passée au deep conditioner que j'ai testé. Donc, qui a une texture très épaisse. Hein. La texture du deep conditioner est vraiment très, 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 très épaisse. C'est épais. Regardez tout ce qui me reste dans le pot. Et pourtant, j'en ai mis v'là. Hein. Après, peut-être que j'en ai pas mis assez. Parce que pour être honnête avec vous, j'ai pas kiffé de ouf. Je galérais un peu pour démêler mes cheveux. Quand j'ai rincé mes cheveux, j'ai pas senti qu'ils étaient plus doux. Normalement, on est censé sentir une sensation de douceur et tout. Non, j'ai pas kiffé à ce niveau-là. Il est pas nul, hein. Je dis pas qu'il est nul, mais j'ai des conditionneurs en tout cas qui me font un meilleur effet. Guinant. Donc, sorry. C'est le game. Et ensuite, j'ai testé le leave-in. Alors là, le leave-in. Marshmallow hot and organic lemon grease. Mais ce truc-là, là. Ah non, mais ça, je vais le réutiliser, c'est obligé. Le truc, il est génial. Mais franchement, les filles, c'est génial. Filles comme garçons, parce qu'il y a aussi des garçons sur ma page, c'est génial. Vous avez vu ma tête au moment de... Mais le leave-in, j'ai pas compris. Mon cheveu est devenu bouclé. Je n'ai plus de frisottis. C'est comme si je mettais un gel. J'ai dit, oh my god, c'est quand même la première gamme de produits depuis ma marque, comme je vous ai dit. De Lola Cosmetics, ma crème que je galère à trouver parce que c'est partout en rupture de stock. Depuis ça, je n'avais jamais trouvé une gamme. Comme je vous ai dit, moi, j'ai besoin d'un gel. Moi, j'ai besoin d'un gel pour vraiment bien tenir ma boucle. Et cette gamme-là, j'ai pas besoin pour regarder mes cheveux. Regardez. Après, j'ai comme des frisottis qui sont venus le lendemain. Mais regardez, regardez. Franchement, aéré. Aéré. Bouclé. Et il n'y a pas de gel. Il n'y a pas de gel dans ma tête. Les girls, les boys, il n'y a pas de gel dans ma tête. In my head, there is no gel. Voilà. Donc, le leave-in, top, 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 top. Et le beurre, enfin le curly butter cream. Alors, moi, je pense que celui qui crée vraiment les boucles, c'est le leave-in. Mais je pense que le curly butter cream permet en fait vraiment de nourrir au maximum le cheveu pour que la boucle elle soit vraiment nourrie au max quoi. Donc et ça permet de finir aussi le côté l'effet bouclant. Donc moi j'ai kiffé. Franchement j'ai kiffé. Et en dernier l'huile. Alors moi j'ai fait la méthode LOC. Ouais, donc j'ai mis mon leave-in, ensuite mon huile et ensuite j'ai mis ma crème parce que moi j'ai un cheveu qui a tendance à être poreux. Donc du coup, je préfère mettre mon huile vraiment avant ma crème pour sceller au max mes cuticules. Donc du coup, j'ai mis mon leave-in avant ma crème. Donc le leave-in mon huile que j'ai mis avant ma crème qui est à base de thé vert également et d'organic lemongrass. Donc du coup, si j'ai pas envie de dire des bêtises, je crois que c'est de la citronnelle de l'huile, je crois, mais j'ai pas envie de me tromper. Que lemongrass, c'est pas du tout citronnelle au fait. Bref, on va pas s'éparpiller. L'huile, vraiment pas mal. Bon, après, peut-être que c'est ce qui fait que du coup, mais aujourd'hui, mes cheveux ne sont pas secs, ils sont doux. Je ne saurais vous dire puisque le leave-in, tout comme le beurre, sont extrêmement nourrissants. Mais en tout cas, un grand oui à la marque. Hein. Ah ouais, franchement, c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et je suis impressionnée. Je suis impressionnée. J'ai pas regardé sur Yonka la compo et je suis même pas sûre que ce soit répertorié sur Yonka parce que vu que c'est anglais. Donc en tout cas, franchement, c'est une très belle découverte. Je m'y attendais pas. Ma seule déception, en fait, ça a été le deep conditioner. C'était ma seule déception. Après, je le retesterai. Peut-être que voilà, comme je vous ai dit, les produits parfois, c'est pas la première application. Ça fonctionne, ça peut être à la troisième, la quatrième application. Oui, le cheveu est spécial. Oui, le cheveu est embêtant. Il est capricieux, mais voilà, on n'y peut rien. C'est comme ça. En tout cas, le shampoing, j'ai kiffé. J'ai kiffé le shampoing, la texture du shampoing et tout. Moi, j'ai kiffé. Et le leave-in, mais...
le living, mais extra quoi, extra, franchement les filles, extra. Donc je vous le recommande absolument. Alors je sais que c'est pas la peine que je le dise, celles qui ont déjà testé, dites-le moi en commentaire parce que c'est tellement rare et je crois que ça, j'ai jamais encore vu ça en tout cas en France, que en tout cas celles qui connaissent ont testé, ben je veux bien vos avis. Mais si vous voulez plus de renseignements sur la marque, il n'y a pas de souci, j'essaierai de vous apporter le plus de renseignements que possible. Celles qui ont les cheveux en tout cas bouclés, ondulés, frisés, je pense qu'elles vont kiffer. Je suis impressionnée, je m'y attendais pas. Je me suis dit bof, je teste pour voir quoi. Et finalement, ben j'ai dit ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. En tout cas, c'est tout pour moi les sweeties. Merci vraiment encore une fois. Je tiens à vous remercier pour votre fidélité. La communauté, elle grandit every time. Je kiffe, franchement, c'est génial. Ça me touche puisque je suis partie quasiment de rien et je vois que ça grandit au fur et à mesure que vous adhérez, que vous adoptez, et ça me fait archi plaisir. Donc encore une fois, merci, merci mille fois. Bon, ben là, vous voyez le résultat. Franchement, les cheveux sont nickel chrome. N'hésitez pas à follower la page Instagram MySweetFrisette. Également à follower la page, enfin la chaîne YouTube MySweetFrisette, tout en activant la cloche pour être à l'actu de toutes les nouvelles vidéos, les sweeties. Et bien sûr, pour toutes les vidéos comiques, délirantes, car oui, je vous veux aussi sur TikTok. Donc le TikTok MySweetFrisette, les girls and les boys. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, que du love et gros bisous.